This line went through towards Cavani, who's still going here, Cavani, and he can walk. Well, he should have made it 2-0. It's an opportunity. Vous avez utilisé quoi? Bon, en fait, on a surtout utilisé mon appareil en fait. Ah, d'accord. Ah, il n'y avait pas besoin de ça. En fait, je suis venu avec pour rien quoi. Ouais, je pense que c'est pas très bien compris avec la nuit. Parce qu'en fait, j'utilise un appareil photo là. Mais qui filme aussi, tu vois, qui font la vidéo. Ah, ouais, donc voilà. Je me suis trimballé tout ça pour rien. Donc, du coup. Mais tu sais que c'est un enfer. Hein. Bah, ouais, j'imagine. Pourtant, je lui ai dit. Mais du coup, vous n'avez pas besoin de la caméra? Non, c'est bon. Mais mec, je me chaîne. Ouais, je suis non, désolé. Je suis désolé, mais on s'est mal compris avec mon poteau. Je suis désolé. Du coup, il n'y a pas capté qu'avec l'appareil photo, tu pouvais filmer. Non. Ah ouais. Je la garde, hein, je la ramène lundi, c'est pas un souci. Ah, tu peux me décharger au moins. Ouais, y'a pas de problème, t'inquiète, je vais la récupérer. C'est bon? Si, non, va. Tu vois, je pense qu'Amada il en a besoin de ça, par exemple. Moi demain tu me mets à cause d'Amada, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça hein. Si j'arrive dans une équipe de ceci foot aujourd'hui, je peux plus réussir parce que les coéquipiers ont déjà un niveau trop supérieur et on prend plus le temps sur les entraînements de former les nouveaux. Il est derrière toi Amada. Ça marche, ça va Amada. Parce que du coup on va sur le terrain. Okay. Je m'appelle Yvan Wanji, je suis âgé de 23 ans, je suis non-voyant complet, je suis à la fois étudiant à l'université en troisième année d'information et communication, je veux devenir journaliste et à côté donc je joue au CC Foot, c'est du football pratiqué par les personnes malvoyantes et non-voyantes. Alors donc je vais un petit peu expliquer les règles, c'est du 5 contre 5, il n'y a que le gardien de but qui voit et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux. Ouais. Comme ça, parce qu'il y en a qui voient un petit peu, donc pour être sûr que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, on a tous ce bandeau sur les yeux. On joue sur un terrain de dimension handball, donc la particularité c'est que dans le ballon il y a des grelots. Du coup quand il roule, on l'entend sur le terrain. Je joue au club de Saint-Mandé depuis 4 ans, et je joue en équipe de France depuis 6 ans. Donc avec l'équipe de France, donc j'ai remporté un championnat d'Europe. Depuis 6 ans, donc tu as commencé, tu étais mineur alors, l'équipe de France. Si je calcule oui, bien. Oui, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ouais. Là, on voit des gens de l'extérieur justement, au bord du terrain qui participent. Et... Alors effectivement, donc le terrain est divisé entre guillemets en trois zones. Mmh. Le gardien de but, il n'a le droit de parler qu'à ses défenseurs. Ouais. Le coach, il est au milieu de terrain sur le côté. Il a le droit de parler qu'aux joueurs qui sont dans la zone du milieu. Mmh. Donc au niveau des lignes médianes. Et derrière le but adverse, il y a un guide, c'est une personne valide, une personne du staff, un encadrant qui a pour objectif d'orienter les attaquants. Il dit aux attaquants qui est à 8 mètres, qui est à 6 mètres, qui est à 3 mètres. Il nous donne des indications donc, pour qu'on sache situer le but. Après, on a développé des facultés d'écoute, d'attention, de concentration. Mmh. Du coup, ça nous permet de localiser le but, nos adversaires. Donc, voilà. Et il y a également une règle importante qui est à prendre en compte, c'est que le porteur de balle, donc l'adversaire, quand il vient face au porteur de balle, il doit se signaler en disant voy, voy, voy. C'est une marque d'indication. C'est un foot originaire de l'Amérique latine. D'accord. Du coup, voy, ça veut dire je vais en espagnol. Tu vois toujours comme ça. Tu vois comme ça dès que je me dis voilà. Voilà. Ouh là là. Ouh là là, Manu. Le but, Hassen, Hossein et Amada. Vous me dites hein, si ça vous va sur 5-6 mètres. Ouais, ou ça même... fait mal, hein. Ouais, non, mais c'est juste que vous sentez la tête. Ouais, qui est devant nous. Alors, on va se remettre en tête. La tête de mètre. Elle a une jaune, ça va être une quinzaine de mètres. Pas la balle, comme c'est avec rebond. Ok, ça marche. Pas fort. Avec rebond, longtemps, mais comme ça. D'accord, ok.
Ça marche. Hassel, ouais. Ah, ouais. C'est qui qui a un joli prénom, Ossine? Ah, t'as un super beau prénom. Ah, c'est... Il y aura Ossine premier et Ossine second. Ah, ok. Le compliment était pas sans... Thank you.